Vlogmas! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 2, je suis très contente, je suis excitée, je suis trop de bonne humeur. Nous sommes à Londres. J'ai décidé aujourd'hui, je pense que c'était un passage obligatoire, de faire une vidéo. Je mange 24 heures comme une anglaise. Je l'ai fait dans tous les pays où j'allais, donc pourquoi pas l'Angleterre. Je pense qu'on va s'amuser, il y a plein de choses vraiment très différentes de chez nous. Déjà rien que pour le petit-déj, on est à l'opposé de ce qu'on aime nous en France. Donc je pense que ça va être très intéressant. J'ai extrêmement hâte pour plein de repas différents, genre rien que le goûter. Vous doutez sûrement un peu de ce que c'est, mais le goûter, j'ai tellement hâte. Donc écoutez, n'attendons pas plus longtemps et allons-y pour le petit déjeuner. Il fait très beau, il y a du soleil. Alors, qu'est-ce que je vais aller manger pour le petit déj ce matin? Il y a vraiment ce petit déj qu'on imagine, genre quand on imagine les Anglais, on les imagine en train de manger ça. Ça s'appelle le full English breakfast. Il y a genre du bacon, il y a des saucisses, il y a, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus, je déteste ça. C'est pas des flageolets? Pas rouge, non. Non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est des white beans. Bref, on va voir ce qu'il y a exactement dedans. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on va aller dans un truc typique anglais, genre pas forcément le truc le plus réputé machin, vraiment juste dans un truc un peu traditionnel. Je pense que ça va être assez drôle parce que c'est pas du tout le genre de truc que j'aime manger au petit-déj. On est à contre-jour, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a le London Bridge. J'ai complètement oublié de vous montrer ça hier dans l'appart tour, mais en fait, il y a des arbres devant la vue qui sont là. En fait, l'appartement, il est juste là derrière et on voit un petit peu le London Bridge. C'est trop stylé, c'est incroyable d'être dans ce quartier, je suis trop contente. Là, on a le English breakfast, bacon, saucisse, œufs, champignons, ça je sais plus ce que c'est, tomates, baked beans, bloomer toast and butter. Je vais prendre ça. Ah mais non, mais j'ai lu le mauvais, je suis conne, le full English c'est ça, il y a du... Bon, je comprends rien, on va voir. Ah, vous avez un joke. Ça me donne pas trop trop envie. Bon, ouais, c'est mignon. Non, c'est mignon, mais c'est pas mon délire. Mais il y a des trucs qu'on les regarde, bon, par contre. Genre les champignons, j'ai envie de les exploser. Ouais, ils sont... Nous avons des petits... Je pense que c'est des flageolets, du coup. Je sais pas pourquoi j'ai un bug sur le sur ce ça nom. Doit, ça doit avoir un autre nom que flageolets. De la galette de pommes de terre, un œuf plat, des champignons, tomates. Ça, c'est... On dirait du boudin. C'est quoi? Ouais, une sorte de boudin noir. Nous avons du bacon. En vrai, il y a des trucs qu'on a grave, non? Juste, j'ai pas l'habitude, quoi. Un petit champignon pour commencer doucement. Très bon. J'adore les champignons. En vrai, tout me va, juste les flageolets là, ça me tente pas. Et l'espèce de boudin, je sais pas trop ce que c'est, ça me tente pas. Et la saucisse non plus. Mais le reste, ça me tente. Je goûte les flageolets. Ça j'aime. Du pain toasté avec du beurre. Normalement, tu mets tes flageolets sur le pain. Ah ouais? Moi, je faisais en Angleterre dans la famille anglaise. Yeah. C'est trop bon. Ils vont tous me juger, je suis sûre que tu me dis des bêtises. Goûtons. En vrai c'est pas mauvais, juste c'est pas ce que je préfère. Manger des flageolets au petit-déj, genre je suis pas habituée. Mais c'est pas mauvais. On va goûter un petit morceau de bacon. J'ai goûté la galette de pommes de terre. J'aime trop les galettes de pommes de terre. Ça j'adore. Ça c'est mon truc préféré, c'est sûr. Venez, on goûte la saucisse. On a pris un petit bout là. Oula, ça c'est dur ça. Moi j'aime vraiment pas les saucisses comme ça. C'est pas une question de petit-déj, pas petit-déj. En vrai ça va parce que c'est genre aux herbes. En vrai non, ça va, ça passe. Mais je préfère mes champignons et ma petite galette. Par contre là, pour le boudin, si c'est du boudin, d'ailleurs je dis que c'est du boudin, mais je sais même pas. C'est vraiment dur. Ah bah, en fait le goût est pas mauvais, mais c'est le psychologique. C'est du sang quand même. Ouh, j'aurais pas dû dire ça. Numéro 1, galette de pommes de terre. Ensuite, le petit champignon, le bacon, les œufs, les petits beans, la saucisse, le boudin. Le pain il est trop bon, c'est genre, il est hyper épais, hyper fluffy, il est trop trop bon. Super gros, genre je sais pas si vraiment, dites-moi si vous avez la réponse en commentaire, mais est-ce que les Anglais mangent vraiment ça au petit-déj ou c'est genre comme un brunch? Parce que c'est énorme, on va tellement manger aujourd'hui que vous êtes pas prêts.
Bon, quelle note je donne à ce full English breakfast? Je pense que je donne un 6 sur 10. C'est bon, mais c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est bon, pardon, c'est interminable. Bon, le petit-déj, en vrai, c'est validé. Je m'attendais grave pas à ça. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc vraiment que j'allais pas du tout aimer, mais ça allait. Là, je vais rentrer à l'appartement parce que je vais FaceTime des abonnés pour la vidéo, la fameuse vidéo de demain, pour qu'on se décide. Franchement, c'est impossible de choisir entre plusieurs personnes, enfin je veux dire tout le monde a l'air trop sympa et c'est difficile, donc je me suis dit bon on va FaceTime 2-3 personnes et on verra ce qu'on fait quoi, ce qu'on choisit. Voilà, ce sera notre petite pause avant d'aller manger ce midi. Alors attends, on essaie. Ouais, on a 40 ans, on sait pas faire un essai. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui veulent venir à Londres pour les études, pour ci, ouais. Pour ça. Merci, salut. Bonne journée. Bye. Hello. Hello. Ça va? En fait, le but c'est de faire pas juste montrer des petits trucs, tu vois, genre des cafés, etc. Même si on va le faire et c'est trop bien, mais en plus, vraiment montrer ce que c'est de vivre à Londres. Plus tard, salut. Bye. Bye. Ça y est, je me suis décidée, c'était grave dur. Donc je suis trop contente, on a notre personne pour la vidéo de demain. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et là, il est déjà l'heure d'aller manger. En même temps, on a pris notre petit déj tard. Donc, je vous explique le programme pour le déjeuner. On va manger un plat typique. Les Anglais adorent ça, il y en a absolument de partout à Londres. Nous allons goûter du fish and chips. Il faut savoir que je sais même pas si j'en ai déjà goûté un vrai de vrai. Et on va pas aller n'importe où pour goûter ce petit fish and chips. On va aller à un marché connu, j'ose pas le dire. Un Borough Market. C'est un marché hyper connu avec plein de trucs à manger et c'est vraiment obligatoire qu'on aille là-bas. Donc je me suis dit autant manger là-bas, j'espère qu'il y a du fish and chips, mais je suppose, étant donné que c'est quand même un marché anglais. Voilà, donc on va goûter. J'ai trop faim, ça y est, là j'ai faim, j'ai envie de manger ça. Let's go! En direction du marché. D'ailleurs, je vous ai pas trop parlé un peu de comment je me sentais à Londres, parce que c'est vrai que quand on fait un voyage, à chaque fois, je vous dis, j'en sais rien, le métro, comment je me sens, si c'est un peu sécure, pas trop sécure, comment on est. J'ai pris le métro plein de fois depuis que je suis arrivée. En vrai, je me sens bien. Franchement, je me sens bien, même dans la rue, je me sens bien. Après, je sais que c'est pas non plus une ville hyper safe comme on a pu faire, j'en sais rien, au Japon, en Corée, où là, ça, c'est un autre level. Mais par exemple, je me sens mieux qu'à Paris. Je me sens moins observée. Franchement, je me sens bien. Moi qui suis une très grosse stressée de tout, je regarde tout partout. J'ai tout le temps peur de prendre le métro, etc. Là, je suis bien. Après, j'ai pas pris le métro genre à 23h pour rentrer toute seule. Donc, je peux pas non plus vous dire ce que c'est de vivre ici parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, première impression, ça va. Je me sens bien. Vous voulez savoir à quel point je suis nulle? Ce pont hyper connu qu'on voit partout là où on habite, ça s'appelle le Tower Bridge. Et ça, c'est le London Bridge. Mais je peux pas y croire. T'es sûre de ce que tu me dis? C'est tellement beau, il est trop beau. Ça c'est notre chemin pour aller au marché, plutôt cool. Dites-moi si je suis la seule. Est-ce que vous aussi les bouées, ça vous met mal? Mais là c'est même plus des bouées, c'est des bateaux. Est-ce que ça vous met mal? Genre ça vous met mal à l'aise? Mais non, je te crois pas. Genre tu peux prendre un Uber, c'est un... Mais je te crois pas. Uber boat, mais je peux pas te croire. Il y a ça à Londres. Genre on peut prendre là, un Uber ça serait un bateau. Ouais. On peut prendre un Uber boat. Ouais. D'accord. Ok, s'il vous plaît, donnez-moi du fish and chips. C'est une urgence. Si vous pouviez sentir l'odeur de la nourriture, comment c'est incroyable. Vous savez que je pourrais manger des quantités de nourriture comme jamais vous avez vu, mais on a un rendez-vous pour le goûter à 16h30, je peux pas vous en dire plus. Qui fait que vraiment, il faut pas trop manger. Il faut bien manger, mais pas trop manger. Regardez, il y a des falafels japonais, des burgers, des trucs improbables. Peu importe ce que vous aimez, vous trouverez votre bonheur. Oh mon dieu, nous avons notre fish and chips. Nous n'avons pas le focus, mais nous avons le fish and chips national. Fish and chips, oh wow. Ok, donc il y a plein de poissons différents en fait. Mais je pense que je vais prendre le classique, c'est le cod. Je vais prendre ça. Regardez juste la taille des morceaux, c'est ça qu'on prend? Non, c'est pas ça. On dirait des croissants écrasés. Thank you. 12,95 le fish and chips. J'espère que ça va être bon. En vrai, c'est cher, putain. Tu sais que c'est des livres, hein, tu précises jamais. Ah ouais, c'est oui, bien sûr que c'est des livres. Mais les gens ils le savent. 16 balles. C'est hyper cher, c'est pas possible, j'imaginais pas ça comme ça du tout. Moi à la base j'imaginais genre des petits nuggets de poisson. Ah non, c'est un gros filet de poisson. Je savais pas. Je cherche une place, il y a tellement de monde. C'est un truc de ouf le nombre de trucs qu'il y a à manger. Et tout a l'air excellent pour le coup. J'ai pas réussi à trouver de table pour qu'on s'assoie, mais il y avait une petite table sur le côté. Goûtons notre fish and chips. Juste excusez-moi mais les frites, il y a des frites là. Elles sont énormes, c'est pas normal. Trop bon. Goûtons notre fish and chips. Ok, par contre ça a l'air dingue, j'ai jamais goûté un truc comme ça en fait. Je m'en rends compte, c'est totalement nouveau pour moi.
Mais attendez, c'est pas normal. J'imaginais pas ça possible du tout là. C'est grave pas normal, je vous jure, c'est pas du poisson pané pané. Enfin, je sais pas comment décrire, c'est excellent. En fait, je crois que j'ai jamais vu un poisson aussi mou, genre, et genre fondant. Je suis choquée parce que j'imaginais pas ça du tout comme ça. Je vous dis, dans ma tête, en fait, fish and chips, je pense que c'est parce que j'ai déjà goûté ça. C'était vraiment des frites avec des espèces de nuggets de poisson. Je trouve qu'il y a, enfin, la nourriture anglaise aggrave une mauvaise image. Genre, j'ai l'impression que quand on parle de nourriture anglaise, les gens disent que genre c'est pas ouf, etc. Après, j'ai pas tout goûté, j'ai fait deux plats pour l'instant. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez si vous avez déjà goûté. Après, la journée n'est pas finie. On sait pas encore ce que nous réserve la suite. Je pourrais me goinfrer tellement c'est bon. Vous devez absolument goûter. En tout cas, venez ici parce que déjà vous allez forcément trouver un truc à manger et c'est excellent. Parfois quand j'y repense, imaginez-vous le nombre de plats que j'ai pu manger sur cette chaîne YouTube. N'oublions pas qu'à la base c'était une chaîne de maquillage. Je pense que je peux mettre un 8 sur 10. C'est super bon, c'est un peu cher. 16 euros, c'est super bon, mais franchement. Un restaurant, 16 euros, c'est pas énorme. Même on est pas restaurant, on est au marché. On est au marché, je suis debout. 8 sur 10, c'est bien bon. C'est super bon. Je mets pas 10 sur 10 parce que c'est un peu cher. C'est validé. Oh oh, est-ce qu'on craquerait pas pour un petit matcha? Matcha soda? Mais attendez, c'est dingue, raspberry? Mais what? Bah go prendre un matcha latte classique. Mais j'ai jamais vu autant de matcha différents. On vient de goûter un truc de malade. Un chai gingerbread latte, c'était incroyable. Donc moi j'ai pris un matcha et Jérémy il a pris un chai du coup. Goûtons notre matcha, ça a l'air trop bon et c'était trop gentil. C'est bon, très contente. Je vous jure, cette ville, elle est trop agréable. On est trop bien, peu importe où t'es dans la vie. Enfin, je sais pas. Tu te balades, c'est même pas où tu vas, t'es trop bien. J'adore. Avec l'Eurostar, tu mets 2 heures. C'est génial. Genre, c'est à côté. Alors, c'est cher. Combien on avait... C'était 140 euros par personne, l'Eurostar. Mais on s'y est pris vraiment à la dernière minute. Et en plus, bah, c'est le mois de décembre. Donc, je pense que c'est clairement le mois le plus cher de l'année. Mais voilà, vous avez pas besoin de prendre l'avion ou je sais pas quoi. Franchement, c'est... Londres, c'est trop bien. Je pense que juste le problème, bah, c'est que c'est plus cher que Paris. Donc, ça, faut vraiment le prendre en compte. Mais malgré tout, un petit week-end à Londres, c'est vraiment très très cool. Si vous pouvez venir, vraiment cool. Alors, je crois qu'il est l'heure de vous dire ce qu'on va faire juste après. Franchement, c'est le truc que je veux le plus faire depuis que je sais que je vais à Londres. On va tester le fameux afternoon tea. Donc, ils disent, ou alors on peut dire aussi British tea time. Je ne sais pas. Je ne suis pas une experte. C'est le truc anglais. Le petit thé de l'après-midi. Alors, c'est tout un truc ici. Il faut savoir que, ah oui, important, réservé. Dès que vous voulez aller manger quelque part, faire une activité, le nombre de choses qu'on ne pourra pas faire, ce qu'on n'avait pas réservé, vous n'avez pas idée. Donc, trouver un tea time de disponible au mois de décembre, je vous raconte même pas la galère. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu de tout, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a vachement de tea time de luxe un peu. Déjà, les prix, on en parlera plus tard, mais comment vous dire qu'il a fallu investir. J'ai essayé de trouver les meilleurs tea time de Londres, tout était pris et j'ai eu la chance d'avoir une place disponible au Beaumont. Si je me trompe pas de nom, je crois que c'est ça. Donc, c'est un truc un peu luxueux, donc ça va vraiment être un crash test. Je sais pas à quoi m'attendre. Le principe, c'est d'avoir du thé pour le goûter, du thé à boire et surtout à manger. On va pouvoir goûter plein de petites sucreries anglaises. Je pense que ça va être vachement sympa. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va voir ça ensemble. On a rendez-vous à 16h30. C'est genre tenue correcte exigée, ce genre d'ambiance. J'espère qu'on va pas se faire au calme parce que regardez mon mec. Bon courage. Mais vraiment quand je vous dis que j'ai hâte, genre depuis le début je pense qu'à ça. J'ai trop envie de voir commencer, j'ai trop envie de goûter. C'est tellement anglais que j'ai trop envie de le faire. En attendant j'ai mon matcha. Histoire de boire pour moins cher que vendre un rein. Tout à l'heure ça va être tellement cher. Bon on arrive. Donc je pense que je vais ranger ma caméra, j'ai trop peur que comme c'est un peu spécial, un peu luxe, qu'ils me disent de pas filmer, genre si j'arrive à y direct, la caméra, le micro et tout, j'essaierai de la poser sur la table, espérons. Ici le Beaumont, je dis ça vraiment avec un accent bien français. Alors on est arrivé, j'espère que vous m'entendez bien, il y a du piano, regardez comment c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et donc il y a la carte, je vous explique, là on a le afternoon tea. Donc je n'arrive pas trop à comprendre si c'est genre un pour deux ou un par personne, mais vous voyez ce que je vois. Dans l'afternoon tea, on a des petits sandwichs, donc il y a du salé, il y a 4 sandwichs et il y a plein de petites pâtisseries à goûter. Et ensuite je crois que c'est en plus, oula je mets un cheveu. Et donc je crois qu'on peut rajouter donc des boissons, j'avoue que là l'alcool, moi je peux pas avoir d'alcool. Donc je pense que je vais rajouter un petit thé. Il y a plein de thés différents. Celui-là il me tente bien, thé au jasmin. Voilà, donc on va voir, ils vont nous expliquer. Donc on nous a renseigné un peu sur le menu parce qu'on ne comprenait pas trop. Donc c'est bien un par personne si on veut, enfin en tout cas normalement c'est censé prendre un par personne, donc on l'a fait. Et on
on choisit pas, donc on va voir tout au fur et à mesure. En fait, ils nous ramènent d'abord le salé et après le sucré. Je croyais que tout était d'un coup, etc. Comment on est censé manger autant en une journée, je ne sais pas. Je sais pas si exceptionnellement on va pas faire de dîner ce soir, on va voir. Et on a le droit dans le menu à un petit thé. J'ai pris un thé blanc, j'ai pris en plus un thé cocktail. Je connaissais pas du tout, mais en fait c'est un cocktail sans alcool parce que je voulais pas d'alcool. On va goûter ça aussi. Donc on a des petits sandwichs avec du saumon. Il y a quoi? Du saumon, des œufs, du citron, plein de petits mélanges. On va goûter ça. Sur un bon 80 euros par personne, je pense. Profitons. J'aime trop cette ambiance. C'est trop mignon. Deuxième sandwich. C'est vraiment des mini sandwichs. C'est excellent. On va goûter le thé blanc. C'est trop bon. Je pensais pas qu'il y avait autant de salé. Moi, il y avait un tout petit sandwich. Et après, c'était que des pâtisseries. Donc, petit, j'ai envie de dire jambon et mental, mais je pense que c'est un peu manqué de respect au menu. J'adore la vidéo du jour. Très heureuse. Venez, on fait une petite pause, petit cocktail. C'est grave bizarre, mais c'est bon. C'est très citronné, c'est hyper bon. J'aime pas trop à l'œuf. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il y a un truc psychologique. Encore. Je vous reprends quand on aura le sucré, mais pour l'instant, je valide l'expérience. Ils nous ont ramené des petits trucs pour la suite. Une nouvelle assiette avec de la confiture de fraise et un espèce de truc là, de la crème, mais un peu cheese, genre comme le cheesecake, je crois. Ça donne trop envie. Et du coup, là, il y a les petites pâtisseries en haut. Et en dessous, il y a les scones fraîchement préparés. Ça met la pression à l'emballage, là. Genre, j'ai peur de mal faire les choses. Genre, comment tu prends ton truc, là, j'ai peur. Mais ça c'est quoi? Je sais pas, c'est un petit truc en plus. Ah ouais, toi tu t'en fous toi. Ah, attends, c'est pas de la chirurgie, tu vois, c'est un scone. Moi ça me stresse. Est-ce que je suis censée manger avec ma fourchette? Mais comment je le récupère le truc? Avec mes mains là comme ça? Vous voyez, dans ce genre d'endroit, j'ai l'impression que je fais tout de travers, ça me met trop mal à l'aise. Je perds toute confiance en moi. Vas-y, je prends tout avec mes doigts. On a rien vu. Goûtons notre petit truc. C'est une espèce de cerise au chocolat. Goûtons. Un petit peu de chocolat. C'est excellentissime. Je trouve que cette tradition elle est trop mignonne, trop bien. J'aimerais trop qu'on ait un truc comme ça en France. Enfin, on a d'autres trucs, hein. On s'en fout maintenant, mais genre, je trouve ça trop mignon. J'aimerais trop me retrouver pour un tea time avec mes amis, vous voyez ce que je veux dire? Sincèrement, je sais pas si on va manger ce soir, c'est pas possible. J'avais prévu qu'on aille dans un resto anglais typique parce qu'il y a plein de plats différents, mais c'est énormément de viande et tout. Voilà, je sais pas comment on va faire. Je m'étais dit, bah en vrai, autant aller dans un resto anglais et goûter 2-3 trucs, mais là, je sais pas. On va voir comment la situation évolue. J'aurais bien aimé voir comment les gens mangent les scones. J'ai toujours besoin d'un exemple. Alors, du coup, il y a des nature, il y a des au chocolat, c'est ça? On va goûter nature. Oh mon dieu, on va goûter avec du cheesecake. Bon, regardez mon petit scone, c'est une brioche. Un petit peu de cheese crème, je sais pas trop quoi. J'en mets sur mon scone, je suis trop mal à l'aise. Bon, vous avez vu ce que j'ai fait. Le cheese c'est trop bon. Un petit peu de cheese. Je dis du cheese mais c'est de la crème. Trop bon. Les petits scones là, c'est excellent. On va goûter avec un petit peu de confiture. Confiture à la fraise. Alors j'aime pas la confiture de base, mais apparemment c'est très bon. Donc, on va voir. Très bon. J'aime pas trop la confiture, mais elle est très bonne. Et c'est pas ce que j'aime. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop ça. Est-ce qu'il serait pas l'heure de goûter une autre petite sucrerie? Je pense que si. On a donc un caramel banana bread qui a l'air somptueux. Il vient de chez Nike. Oh mon dieu, ça a le goût de pain d'épices. C'est un banana bread pain d'épices. Mon dieu. Ouh là là là. Alors ça c'est vraiment excellentissime. Je peux pas vous décrire ce que je suis en train de manger, c'est lunaire. Et vu la vitesse à laquelle je le mange, je pense qu'on a compris. Vous savez que passé un temps, j'avais vraiment une addiction aux vidéos, genre les règles de l'élégance. On a rien à foutre mais je vous raconte quand même. Rien à faire. Pardon, je suis pas très élégante. En gros, ça vous explique comment vous devez mettre vos couverts, comment vous devez tenir votre verre, ce que vous devez dire, etc. Et bah je me rends compte que je devrais réviser 2-3 trucs. Mais je vous jure que. En vrai, ça sert de ouf. Parce qu'il y a plein de choses que je faisais que je fais plus. Je vous conseille de regarder. Tu veux un deuxième thé? Moi je prends le deuxième. Ginger peppermint. On a le droit à un deuxième thé inclus. Le deuxième thé qui était servi d'une manière très agréable. C'est excellent. C'est très ginger. On va goûter l'éclair. C'est tellement énorme, mais j'en ai rien à faire. D'ailleurs, on peut prendre des petits doggy bags. Si jamais vous finissez pas, vous avez le droit de demander un petit bag pour ramener à la maison. Petit éclair. Ah, je sais pas trop quoi encore. En fait on dirait un chou. En fait c'est un chou à la crème. Oh là là. Je vais tout manger en 10 secondes, tellement c'était bon. Je pense qu'on a atteint le seuil de nourriture. J'en peux plus, mais on va demander à ramener les trucs à la maison. Et on finit notre petit thé et on va partir. On vient de sortir. Regardez notre doggy bag. C'est
trop mignon. Alors, on a quand même des choses à se dire, notamment, on doit parler du prix. Excusez-moi, mais je m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que pour moi, on payait 70 et 70 par personne, mais en fait, c'est pas ça. Donc déjà, vous payez 70 par personne. Moi, j'ai pris un cocktail, j'avais oublié, qui était à 11 livres. Et en fait, par-dessus, vous payez des frais de service de 12%. Et quand on fait le calcul, quand on convertit en euros, on en a eu pour tout pile 200 euros. C'est pas une blague. Je suis extrêmement choquée. Je pense que c'est une expérience vraiment très très cool et que c'est vraiment incroyable de faire ça à Londres, mais à ce prix là c'est pas obligatoire. Si vous pouvez vous payer ça et que c'est votre délire, faites-le. Mais sincèrement, je pense que sans la vidéo par exemple, j'y serais pas allée de moi-même à ce prix là mais c'était une super bonne expérience. Alors pour le coup, si je peux vous recommander, après j'ai pas d'autres, je peux pas me repérer par rapport à d'autres tea time, c'est la première fois que j'en fais, mais en tout cas c'était une expérience incroyable. Faut juste voilà prendre en compte le prix, le service était, enfin tout le monde était super gentil, c'était très cool. En tout cas nous on en peut plus, on a tellement mangé, on a froid, je pense qu'on va rentrer à la maison. On sort du métro, on a failli mourir. Non, en fait, il y a un mec, on montait l'escalator et vraiment l'escalator, enfin j'ai filmé, mais ils sont hyper, enfin ils sont hyper hauts quoi. C'est pentu, pas... pentu. Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Et il y a vraiment le mec devant moi qui est tombé en arrière, qui m'est tombé dessus et il a dégringolé jusqu'en bas. Tout va bien, il s'est relevé et tout, mais en fait il avait, bah c'est vendredi soir quoi, donc il a sûrement un peu fait la fête avant de rentrer chez lui. Un mec en costard et tout, ça n'avait aucun sens, genre vraiment il est tombé et il a dégringolé jusqu'en bas, j'ai eu la peur de ma vie. Voilà, je voulais juste vous raconter ça. On rentre, on va passer par le Tower Bridge. Comme ça, on va voir la vue du Tower Bridge. En vrai, j'ai trop envie de monter dessus, voir comment c'est. Et on rentre parce qu'il fait très froid. J'ai pris ma meilleure douche brûlante, je mourais de froid, je me suis lavé les cheveux là, je me sens trop bien. On a absolument pas mangé de repas ce soir, mais quand je vous dis que le tea time c'est énorme, vraiment il n'y a pas besoin de manger hein. Je suis choquée, en même temps j'ai payé quand même 200. On en a pas laissé parler de ça, c'est pas possible. Y'a rien qui va. Non, en vrai, c'était trop bien, mais. Ah si, j'ai mangé des chips. Et j'ai mangé une pâtisserie de notre doggy bag. Si je devais. Ah, j'ai pas donné de note. Franchement, 9 sur 10. Encore une fois, j'enlève un bon quart de 200 euros. Je devrais en enlever un peu plus d'ailleurs. Non, franchement, c'était incroyable. C'est trop une bonne expérience. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi les gens disent que c'est pas très bon la nourriture anglaise? Moi, j'aime bien. Y'a plein de moments où, genre, quand je voyage, j'aime trop faire des vidéos 24 heures comme aujourd'hui, où je mange comme. Dans le pays. J'aime bien tester les McDonald's de chaque pays, faire des vidéos que genre il y a un peu des vidéos que je fais tout le temps quand je suis en voyage, mais pour ces vlogmas j'avais vraiment envie de faire aussi d'autres vidéos qui changent complètement d'habitude. Pour le coup je pense que j'ai jamais eu autant de concepts pour une série de vidéos. Là on va vraiment être sur plein de concepts différents, des trucs improbables. J'ai trop trop hâte que ça puisse sortir et aussi d'avoir votre retour, genre qu'est-ce que vous pensez des vidéos que je sors, est-ce que vous trouvez que mon contenu est assez varié, est-ce que vous aimez bien mes miniatures, ça c'est grave important parce que c'est moi qui ai toujours fait mes miniatures sur ma chaîne. Les miniatures, pour ceux qui savent pas, c'est la petite photo que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo, ce qui est en vrai hyper important parce que tu peux faire une vidéo incroyable. Si ta miniature est pas incroyable, personne va cliquer, donc personne va voir ta vidéo incroyable. Mais j'avoue, je suis pas experte, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment su comment utiliser Photoshop, j'ai fait ça au fur et à mesure, j'ai appris, donc je suis pas une experte, vous voyez. Et en fait le truc c'est que je sais faire toujours un peu le même truc quoi, je sais pas faire un milliard de choses, donc j'ai peur que parfois les vidéos aient l'air pareilles et du coup des gens cliquent pas forcément parce que les miniatures se ressemblent trop. Donc du coup je pensais à peut-être tenter de faire faire mes miniatures. Franchement, je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis sincère. C'est grave important pour moi. Parce que ça, c'est grave un sujet qui me fait cogiter. Vraiment, vous savez pas à quel point. Enfin, si tout le monde sait sur YouTube que je suis la personne qui cogite le plus au monde, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus parce que c'est hyper important. Et je crois que je vous ai jamais demandé. Donc, j'ai peur. En plus, je le sais qu'elles se ressemblent trop. Oh non. Soyez gentils dans les commentaires, me déprimez pas. Ça y est, ça commence. Je vais mal dormir. Aussi, est-ce qu'on peut notifier le fait que je suis dans une bonne période de peau? J'ai testé tellement de crèmes solaires. Ça faisait des mois que je cherchais une crème solaire qui m'allait. Et là, alors j'ai toujours pas trouvé à 100%, mais la moins pire que j'ai trouvée fonctionne plutôt bien. Donc je suis contente. Je suis très contente de cette vidéo, mais il va falloir se calmer sur la nourriture là. Je peux pas manger autant dès le début de ces vlogmas. Un petit peu de baume aux lèvres. Et dodo, pour être en forme pour ma grosse journée demain, je débarque à 10h chez France, elle s'appelle, l'abonné qu'on va voir. Je pense que c'est une des
vidéos qui me donnent le plus envie là de tourner. Genre je suis surexcitée, stressée et surexcitée. Je pense que c'est un bon combo pour une bonne vidéo. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie de manger de la nourriture anglaise. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo par jour tout le mois de décembre jusqu'à Noël, comme un calendrier de l'Avent, à 18h. Objectif 400 000 en 2022. Croisons les doigts et n'hésitez pas à checker Instagram parce que pour le coup, je suis vraiment active tous les jours là-bas et c'est très cool aussi. Et on se retrouve demain à 18h dans un nouvel épisode. Mouah.